La créature chauve-souris rôde toujours sur Miagani Island. Je vais la traquer et prélever son sang pour déterminer de quoi ou de qui il s'agit. Eh bien, salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve pour le 7e épisode de Batman Arkham Knight. Et en me promenant un petit peu en ville, pour d'éliminer un petit peu la menace, les tanks, tout ça qui se promènent en ville. Je suis tombé sur une créature ailée. Et donc. Je voudrais qu'on la chasse ensemble. La créature chauve-souris rôde toujours sur Miagani Island. Je vais la traquer et prélever son sang pour déterminer de quoi ou de qui il s'agit. Ça va bien m'emmener là où il faut, alors allez où? C'est ça? J'adore ta nouvelle caisse, Batou. Toutes ces armes, c'est comme si un plan maléfique t'avait soufflé des idées pendant que tu dessinais le modèle. Bah alors, c'est où? Ah bah, ça dit que c'est ici pourtant. La créature chauve-souris rôde toujours sur Miagani Island. Je vais la traquer et prélever son sang pour déterminer de quoi ou de qui il s'agit. On va s'en occuper après de ça. Bah alors. Donc ça, cette créature. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec? Faut la suivre. Au moins, quand c'est l'homme mystère à l'écran, tu peux l'ignorer. Tous ces grands mots, l'épouvantail me donne la chair de poule. Mais non, je me trompe de touche. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, moi? C'est bien beau, je l'ai retrouvé ta créature, mais je suis censé... J'ai vu un type respirer le gaz de l'épouvantail une fois. Bon, on va voir. Alors. La voiture de Batman n'a pas une chance contre ces tanks. Oh, bah je comprends pas ce qu'il faut faire avec ça. Bon, tant pis, on va changer de mission, hein, vous savez pas. On va partir là-dessus, c'était juste à côté. Quelqu'un a allumé un bat-symbole en feu sur le toit du magasin Gambi. Une balise ou une menace? C'est ce qu'on va voir. Hop, c'est juste ici. Au moins ça bouge pas. Où est Harley, au fait? Elle a disparu après la fermeture d'Arkham City.
te souviens certainement de moi, Batman. Azrael. Nous vivons des jours sombres, Batman. La prophétie se réalise. Le feu renaît des cendres d'Arkham City et Gotham brûle avec elle. Qu'est-ce que tu veux ? Je peux voir le même feu dans tes yeux. Et avant l'aube, il t'aura consumé. Gotham aura besoin d'un nouveau sauveur, d'un nouveau gardien, d'un nouveau Batman. Je ne suis pas encore hors course. Tu ne peux pas porter ce poids indéfiniment. Je t'étudie depuis longtemps. Tu as un code. Tu refuses de tuer. Alors j'en ferai autant. L'ordre l'avait prédit. L'heure est venue de confier le masque à un autre guerrier. Moi. Si tu prouves que tu es capable, le moment venu, j'y penserai. Mais d'abord, tu dois me montrer que tu en es digne. C'est entendu. J'ai fait triangle. Termine ce défi sans te faire toucher pour prouver que tu es libre. D'accord, essaye, vas-y. Encore. Tu as du potentiel. Contacte-moi quand tu voudras passer à l'étape suivante. Monsieur, j'ai enregistré la performance d'Azrael. Très bien, Alfred. Faites les tests physiologiques habituels. Alors dois-je en conclure que vous l'envisagez pour vous succéder ? Nous ne savons pas ce que la nuit nous réserve. Je reste en contact. On a la suite ou pas encore? Non, visiblement non. Toc, on va aller voir là-dessus. Quelqu'un a attaqué la caserne de Bristol. Je vais éteindre l'incendie et enquêter pour trouver le responsable. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse avec la bestiole volante. Non, désolé mon pote. Je dois rejoindre la bande d'armée. On a des plans. Elle s'arrête pas. Comment tu veux l'attaquer si elle s'arrête pas? C'est pas possible. Il y a moyen de débloquer une attaque qui puisse me permettre de le faire, je sais pas. Mais bon. Pour l'instant, je ne sais point. Le système incendie n'est plus alimenté en électricité. Je dois le remettre en marche pour éteindre le feu. Le voilà, que lui en train. Dis-toi de lui, Batman. On va te faire ta fête. Si je n'alimente pas le système incendie, le feu va devenir incontrôlable. Firefly. Tu m'as battu une fois, mais ça, c'était il y a longtemps. Le feu est pur, Batman. La douleur purifie. Tu vas souffrir. Laisse-moi mon flingue.
blâmer, Batman. Je dois tout brûler. Brûle. Il faut que je suive jusqu'à où? Gotham va brûler. Jusqu'à ce qu'il puisse plus faire de feu. Cette nuit, cette ville nauséabonde sera entièrement purifiée par les flammes. Monsieur, il me semble que nous avons déjà croisé ce charmant pyromane. Firefly. L'épouvantail aurait averti tout le monde que Gotham serait sans défense ce soir. Il est dangereux, Alfred. Surtout restez vigilant. Alors... Non, pour l'instant, on ne peut pas continuer. Très bien, bon, Ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas comment enquêter sur la présence de la créature ailée dans le ciel. Obtenir l'échantillon de sang, ouais, mais il faudrait déjà pouvoir l'attaquer. Ça, on n'a pas encore commencé non plus. La créature chauve-souris rôde toujours sur Miyagani Island. Je vais la traquer et prélever son sang pour déterminer de quoi ou de qui il s'agit. Oui, bien sûr. C'est qui ces militaires? Ils envahissent des bâtiments et barrent des routes comme s'ils étaient chez eux. Alfred, analysez l'échantillon de sang que j'ai transféré. Tout de suite, Maître Bruce. Je cherche les correspondances possibles. J'ignore d'où vous tenez cet échantillon, monsieur. Ah, nous y sommes. Ce sang a été altéré, mais nous avons une correspondance partielle. Docteur Kirk Langstrom. Cherchez des locaux à Gotham que le docteur Langstrom loue ou possède. Bien sûr. Un instant. Ah, son épouse et lui louent un laboratoire souterrain à Chinatown. Je vous envoie l'adresse. Bah voilà. Tout simplement. Oh bah j'en ai des points d'amélioration, la vache. Ça permet de faire 4 éliminations d'un coup, au lieu de 3. Je vais finir d'améliorer pour la résistance aux balles. Au bal masqué, oh ouais. Non, c'est pas drôle, je sais. Bon. Tac, il en restera plus que 3. Que on pourrait peut-être mettre ailleurs. Tac, et ça, c'est quoi? La précision. Allez, hop. Ouais, bah ça. Ça s'améliore, c'est bien, allez. Hop.
Cette créature torturée était un homme. Le docteur Kirk Langstrom. Il doit y avoir une raison à cette transformation. La réponse est sûrement dans son labo. Faites attention à vous, monsieur. La créature doit se terrer dans un environnement familier. Bien, allez, on se dépêche d'y aller. Du monde là-dedans. Ouais. Puis j'ai pas la bagnole. Oula, non. Moi, on est venu à Gotham quand j'avais 15 ans. Mon rêve, c'était de voir Batman. C'est marrant d'en être arrivé là. Quoi que t'en penses, l'épouvantail est taré. Et on aurait pas dû accepter ce tour. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es perturbé, Blossom. Et on s'approche. Il y a l'homme mystère au même endroit. C'est parfait. Et bim, tiens, hop, foutez-moi la paix. C'est bon? Je l'ai dit au début de la série, au début du let's play, je prendrai un petit peu plus mon temps que pour les deux précédents jeux. Là, je tiens à en profiter un peu plus. Il y a un ordinateur. Il contient peut-être quelques réponses. Cet ordinateur contient toutes les recherches du docteur Langstrom. Mélanger son ADN à celui d'une chauve-souris vampire, ça ne pouvait que mal finir. Si je cherche dans ses fichiers, je pourrais peut-être créer un antidote pour lui rendre son état normal. Je dois isoler la signature ADN de Manbat et la supprimer de l'ADN de Langstrom. C'est chaud, connerie.
Voilà. J'ai créé un échantillon ADN pur. Il ne me reste plus qu'à lui faire prendre son médicament. Alfred, j'ai synthétisé le remède dans le laboratoire de Langstrom. Je n'ai plus qu'à le trouver. Avez-vous une idée d'où il se cache ? Il ne contrôle pas ce qu'il fait. Il peut être n'importe où. Personne ne connaît mieux la ville que vous, Maître Bruce. Vous le trouverez. Oui, on le trouvera. Sa femme, tes parents. Tu peux m'expliquer comment la mort des proches peut transformer en rongeur géant ? Pour l'instant, on peut pas faire. Oh. Pour l'instant, on peut pas faire plus que ça. D'accord. Bon. Ça, c'est à 95 mètres. J'ignore ce que l'homme mystère a construit sous Chinatown, mais ça ne m'arrêtera pas. Allez, tant qu'on est dans la zone, hein. On va y aller. C'est Batman. Oh le con. Pas réussi à éviter la bagnole, le con. Disons. Alors ici, donc il faut. Encore des courses. Moi, n'empêche, je me demande qui peut bien être ce chevalier d'Arkham. Ah ça, d'accord. C'est bien trop drôle de te regarder lutter. Oh non, Batman. On dirait que tu es bien trop attaché à ton cher temps de fantaisie pour résoudre les énigmes. Mmh.
passer à côté. Se moque de moi. Il se moque de moi, ce jeu. Voilà. Je pourrais profiter du contrôle à distance de la bannière. Pourquoi? C'est bon. Ah, c'était pas comme ça qu'il fallait passer. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ce n'est pas qu'un test d'intelligence, chevalier noir. C'est un test de compétence. Test de compétence. Détective, attention. Attention. C'est chaud, ces conneries là. Alors, comme ça, hop. C'est comme ça, c'est suffisant. Bah alors. Non, c'est pas suffisant du tout. Bah alors. Allez, on est reparti. Là, moi j'y arrive. Allez, 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 voilà. Dedans. Allez, on va y arriver. Hein. Ouais, c'est tout. Félicitations, chevalier noir. Tu gagnes l'accès à la prochaine étape de l'énigme. Va voir le plateau. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Sors. Il est con, il fait de spray. Quand on a trois à gauche, c'est d'accord, c'est celui-là. Oh, joie! C'est encore le moment de jouer à explosera, explosera pas. Alors, quand on a trois à ta gauche, c'est doit être celui-là. T'as pas intérêt à te tromper, Batman. Ah ben, je fais ce que je peux. C'est pas la même échelle, hein, sur le tableau, puis en vrai. Hein.
Tête toujours en place. Bien. Collier toujours en place. Moins bien. Félicitations, réjouis-toi. Tu as réussi à prouver que tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air. Bête que tu en as l'air. Maintenant, Catwoman, tu peux fêter ta survie en informant Batman des formidables nouveautés qui l'attendent à l'orphelinat. Ah, je peux pas y aller avec elle. Compte pas sur moi pour ça. Minou, 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 minou. Ça alors, Batman, une mystérieuse grande porte verte. Oui, oui, le voilà. Reviens à l'orphelinat, Batman, que je vous fasse entrer tous les deux. Faut y aller tous les deux, d'accord. Bon, je peux reprendre le contrôle de... Voilà. Oui, mais j'y vais pas tout de suite. Tout de suite. Si on parvient à décrypter les protocoles de sécurité du chevalier d'Arkham, on pourra le localiser. S'il pense pouvoir vous échapper, monsieur, il risque une cruelle déconvenue. Oh merde, il en a un Batman, c'est pas... Oh. Elle a explosé celui-là. Le frein est pas sur L2. C'est gentil à vous de passer, monsieur Wayne. Vous n'aviez pas la tenue appropriée pour l'entrée principale. Vous avez terminé le décryptage ? Tout est décodé. J'ai chargé toutes les transmissions radio récentes de la milice et leurs coordonnées correspondantes sur votre machine. Merci, Lucius. Je peux trouver l'empreinte vocale du chevalier d'Arkham et déterminer l'emplacement de sa dernière transmission en scannant le réseau. Oui. Tant que je ressorte. Je suis monté jusque là pour rien. Ils se foutent de ma gueule? Non, non. Identité confirmée.
Bonsoir, Monsieur Wayne. Chargement de la forme d'onde pour analyse. Non, j'ai assez attendu. Batman va mourir. Ce soir. Analyse des communications pour correspondance vocale. Localisation confirmée. Je l'ai. Le chevalier émet depuis le réseau souterrain de Miyagani. Ravi de vous être utile, Monsieur Wayne. Tant que vous êtes là, nous avons élaboré de nouvelles améliorations pour votre voiture. Dites-moi sur quel aspect nous devons concentrer nos efforts. Choisir une amélioration. Générateur des armes V3. Ça apporte quoi? Virus UC. Il n'y en a que deux. Ça dit pas ce que... Ah, si. Ah, ça va vous plaire. Je l'ai programmé moi-même quand j'ai vu ce que vous deviez affronter. Le virus du drone pirate l'armement des tanks de la milice et les pousse à viser leurs propres alliés. L'amélioration du générateur des armes permet de surcharger les armes secondaires de la Batmobile pour une puissance de feu considérable. Ah, j'hésite. Ah, ça va vous plaire. Je vous contacterai dès qu'il sera prêt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je serai là toute la nuit. Ce n'est pas comme si je pouvais quitter la ville de toute façon. Je pourrais récupérer la deuxième après. Puis d'autres. Et si j'avais vraiment voulu connaître ton identité, je t'aurais arraché ce masque il y a des années. Je me suis toujours dit que la vérité serait décevante, mais je reconnais que se faire passer pour le mondain le plus barbant de Gotham, c'est une sacrée couverture. Ah, il a fallu que vous gâchiez la surprise. J'espérais le garder au chaud jusqu'à ce qu'il soit fin prêt. Brouilleur nouvelle génération. Il restera quelques réglages à effectuer, mais j'ai pensé que ce prototype vous intéresserait. Je pourrais vous l'envoyer plus tard dans la nuit. Merci, Lucius. Je risque d'en avoir besoin. Qui ça? Non. Ça sert à rien, je peux même pas m'en servir. Lucius n'est peut-être pas seul. Entrer en tenue de Batman serait une mauvaise idée. Bah, change-toi. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miyagani. Excellente nouvelle, monsieur. Mais je détecte un grand nombre de drones dans la zone. Ce serait de la pure folie de les attaquer sans la Batmobile. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée sud? Attendez que je sois sur place, Alfred. Je ne veux pas gâcher la surprise. J'essaie d'imaginer. On voit pas ça tous les jours. Qui est capable d'enchaîner un corps à un mur? Thank you.
Falcon 4 à Centrale. Otage repéré près de la gare de Grand Avenue. Terminé. Faut pas qu'on oublie d'aller. On a un contact violent à la sortie du tunnel. On suggère une extraction immédiate. Fred, je suis à l'entrée du tunnel. Ouvrez les portes. Juste un instant, monsieur. J'accède au terminal de sécurité du bâtiment. Bon, nous irons visiter ce tunnel dans le prochain épisode. Moi, sur ce, je vous dis ciao. Et à bientôt pour la suite. Allez, ciao tout le monde.